Ouvrons cette petite citrouille. Qu'est-ce qu'on a dedans? Oh. Ok, bon, pour une fois, c'est vraiment pas trop de la merde. Yaman est gris. Et c'est tout, j'espère que vous allez bien. On va se faire quelques games en ranked 2v2. Alors, vous m'excuserez, j'ai perdu quelques games en jouant en stream sur ce compte. Et bah, je ne suis plus GC, mais... Ne vous inquiétez pas, nos portes, on va remonter. Bon, c'est pas très grave, on est surtout là pour le plaisir, évidemment. Mais y a pas de souci. Il y aura du gameplay. Il y aura tout ça. On est là, quoi. On est là. Et c'est parti. Les mecs, en face, sur vous, on dirait qu'il n'y a pas des follow qui coffent. Bon. Oh. Et on a eu des nouvelles par rapport au fait qu'il a retiré le trade. Il rajouterait un mode course sur Rocket. Enfin, sur Fortnite par rapport, lié avec Rocket. Ah. Enfin, en fait, on sait pas exactement, mais... Oh, la petite passe. Ah, c'est osé. Il y a un monde où je l'ai, non? Oh, c'est tellement dommage. J'aurais pu l'avoir. Ok, bon, c'est dommage. Et on sait pas en fait le mode course s'il sera sur Rocket ou sur Fortnite. Je pense plus que ça sera Fortnite. Et comme l'a dit Razmelton, après je sais pas s'il y en a qui ont vu le clip. Genre, ils incorporeraient Rocket du coup dedans Fortnite pour tester un peu Unreal Engine 5. On va voir si ça marche avec Rocket et tout. Mais si c'est un mode course, il y aura pas de ballon, donc ça sera pas vraiment la même chose. Mais en tout cas, ils veulent faire quelque chose avec Rocket. Ils le changent. Pour une fois, il y a du changement. Peut-être pas positif, mais on verra. Faut quand même. Constater qu'ils essayent de faire un truc pour le jeu, pas pour la communauté actuellement, mais pour le jeu, pour le développement du jeu. Je pense que ça peut être assez important qu'ils récupèrent un petit peu d'argent, j'imagine. Et surtout, bah, si le jeu est pas rentable, sinon ils vont le fermer. Donc il n'y a aucun intérêt pour nous de garder le trade si le jeu tourne mal, quoi. Après, ils peuvent faire des changements qui peuvent améliorer le jeu, pourquoi pas. Mais par contre, il m'a mis une dinguerie là. C'était quoi ce bump là? C'est dommage. J'ai sauté un peu tôt en vérité. J'aurais pu l'avoir, je pense. Et les mecs sont chauds, hein. Ils sont plutôt chauds. Mais je sais pas si la théorie de Razmelton du coup elle est bien. Si c'est, bah, je sais pas si c'est lui qui sort sa théorie, mais c'est ce qu'il y a eu sur le clip. En tout cas, c'est le sujet de la vidéo. Un peu si... C'est un test, en gros. Mais si nous force à lancer Fortnite pour jouer à Rocket, après, ça va être chiant. Hein. Ça va être chiant. Après, le jeu Fortnite, franchement, c'est pas non plus un jeu de merde. C'est juste que, bon, c'est plus au goût de tout le monde. Mais ça reste un bon jeu, en vérité. Qui est plutôt pas mal développé. Et j'ai bien kiffé au début. Hein. Vraiment, j'ai... De toute façon, tout le monde peut le dire. Hein. Tous ceux qui ont arrêté d'y jouer maintenant, c'est des anciens joueurs. Parce que je pense que vraiment, à la période des débuts de Fortnite... Presque tout le monde y a joué. Et c'était vraiment incroyable. Je vais peut-être y retourner un peu. J'ai avec un pote, je sais qu'il m'en avait parlé. Ils vont remettre la map du chapitre 1, tout ça. Donc j'y fus, hein, évidemment. Et bah, du coup, on va tester tout ça. On va rejouer un petit peu. Je sais pas si je serai. Quoi ? En live ou pas ? Il y a moyen. On verra. Mais je vous avoue que je suis plutôt impatient. Voir un peu ce que ça donne. Bon, il y a pas mal de gens qui sont plutôt... qui se disent que bon, c'est plus pareil. Y a les jeux maintenant, la commu, elle est différente, etc. Bon. En tout cas, on saura que le jour même, en essayant. Ok, bon, il y a but. Hein. Ouais. Bon, on se fait complètement laminer. Il n'est pas là pour rigoler, Fakers. Fakers. Ok. Est-ce qu'on peut quand même remonter un petit peu dans la game? Parce qu'en vrai, 3-0, c'est pas grand-chose. Moi, j'ai une théorie sur les 3-0 sur Rocket. Il a été prouvé des maintes et des maintes fois. Maintes et maintes fois, plutôt. L'expression était pas bonne. C'est qu'en gros, tous ceux qui gagnent 3-0... Et qui reste au moins 2 minutes au chrono ou même plus. Si on a encore 2 minutes, souvent c'est les autres qui gagnent, ceux qui sont en train de perdre. Parce qu'en fait, la pression qu'un 3-0 te met, t'es là en mode bon, ok, il faut tenir 2 minutes, faut garder la pression, enfin, faut pas garder la pression, mais faut pas prendre de but, etc. Et dès que tu prends un but, c'est l'élément déclencheur, les autres prennent la confiance. Et que les gens qui gagnaient, justement, commencent à stresser un peu. Oh, c'est dommage en vrai, le double tap.
Et du coup, ce qui fait que la plupart du temps, bah, c'est ceux qui étaient en train de perdre qui gagnent. Mais après, il faut que les deux soient on point, mais... Bah gros, par contre, toi, tu fais exprès. Non, bah là... Là, j'ai pas les mots, là. Qu'est-ce qu'il fait? Bon. Je suppose que Jato que ne veut pas win. Comme je disais, il faut que les deux soient d'accord. Je crois qu'il a pas trop envie là. Je crois qu'il a pas l'air motivé le bonhomme. Bon. Il y a des choses qui arrivent hein, malheureusement. Oh, je peux peut-être tenter un. Ok. Bon. On profite des erreurs des gens. C'est assez important ici de pas trop sauter pour au cas où il la touche parce que ça peut arriver. Je sais qu'en GC2, peut-être que les gens ne les ratent pas celle-là. À tous les coups, je veux dire. On n'est pas très haut là sur ce compte. Oui. Ouais, j'ai été surpris par le 50-50 que j'ai fait avec le mec en fait. Il n'y avait pas la balle mais je lui ai rentré dedans. Ok, est-ce que c'est une passe viable? Un peu, mais en fait je pouvais pas m'attendre qu'il la touche pas. Je pouvais pas m'y attendre du tout. Ok, vas-y mon frérot. C'est à toi. C'est... Ouais. Il s'envole. Eh hey, mais j'y pense, j'ai même pas mis la musique du jeu. Je la mettrai peut-être un peu après. En ce moment, j'aime bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant, je mettais que la musique des jeux parce que la musique était vraiment incroyable. La musique que j'ai kiffé le plus quand tu lançais le jeu, c'était Love You Need You. Elle est incroyable. Et ça représentait vraiment... Enfin, quand tu l'écoutes, tu sais que ça vient de Rocket League en fait. Et il y a plein de musiques comme ça qui sont dédiées un peu à Rocket. Et je crois que c'est Slushy qui l'avait faite. Et c'est un peu... ça m'a un peu fait penser que... C'est vrai que Marshmello avait aussi fait des musiques pour Rocket. Enfin, ou qu'ils étaient utilisés dans Rocket, ils étaient peut-être pas faits pour Rocket, mais... Là, j'aurais pu mettre un but là-dessus, en vrai. Bon, allez, on met un petit but ou pas, là? Ah, j'ai plus de boost. Dommage. Bon, j'ai tenté. Allez, on va se mettre un petit peu de musique. Mais j'aime bien beaucoup Marshmello, justement, pour le coup. Mais il y a des musiques que je peux pas vous faire écouter parce que ils sont droits d'auteur, etc. Du coup, j'ai mis piste libre de... Ouais, bon, je l'avais pas mis, mais piste libre de diffusion. Qui me permet éventuellement de pas avoir de strike ou des trucs comme ça. Mais je sais pas si les musiques que j'aime bien, justement, ils sont droits d'auteur. Aucune idée. On y va en deux temps, j'étais pas prêt à sa passe. Oh le tir, dommage, il était bien cadré. Il manque un petit peu de hauteur je dirais. Parce que vraiment tirer au sol c'est assez sympa à arrêter. Bon ça c'était assez évident pour le coup, j'ai vraiment été mauvais. Ouais, c'est un peu ma faute. Je vous avoue que c'est un petit peu ma faute. Mais bon. Je m'attendais à la passe, mais si je rushais pas le mec, il pouvait me fake et la refaire après et ça aurait été encore pire. Mais j'ai oublié qu'on était aussi en C3 et qu'il n'y allait pas forcément avoir du follow sur cette action, sur la pression que je mets en fait. Mais oh, c'est ma faute quand même, hein. C'est ma faute quand même. Putain, les buts s'enchaînent, hein. C'est terrible. On prend dans notre grade là. Salut. Je me permets, hein, juste. Allez bro, c'est ton moment. Tu veux pas? C'est une passe, hein. Bon. C'était un peu... Un peu douteux du coup, hein. Il s'est rien passé. Oh, le rebond. Moi, je vais le laisser. Hein. Il va la rendre dans tous les cas. Bon, j'ai voulu fake. Le mec a pas du tout bougé. Moi, j'ai pas trop de boost. Ah, si je récupère ce boost-là, on peut tenter un truc sur cette balle. Ah, je la mets bien à droite. C'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais... Ça va. On garde la pression. C'est pas mal. Salut frérot. Encore une fois. Ah. Normalement il l'a. Ah bah il a raté. Ça c'est le problème des rotas. En fait c'est difficile à expliquer. Mais moi je me base beaucoup sur un peu l'habitude et les rotations et le rythme des games. Du coup dès que je vais on va dire un peu plus bas, les gens comme ils sont beaucoup moins à l'aise dans leur déplacement, dans tout ça, ils sont un peu plus lents et j'ai vraiment du mal
à jouer différemment en fait. Je joue comme si j'étais à mon elo. Quasiment. À quelque chose près, tu vois. Genre, je laisse la balle à mes alliés, même si si je la touche pas, il y a but, tu vois. Je n'ai pas peur et je sais quand. En fait, quand ils ont de meilleures balles et qu'ils sont derrière, bah je leur laisse. Genre, c'est évident. Pour moi, c'est évident, mais en C3, tu fais ça, les mecs, ils se ratent en fait. Et tu prends un but. Ah, Banks. Ok, j'ai bien fait d'attendre le compte. Ok, ça passe pile poil, je suis assez content. Mais les mecs, par contre, ils défendent bien en C3 quand même. Bon, après là, j'aurais pu reset instant dessus, j'aurais pu tenter des trucs. J'ai joué simple et c'est passé, hein. Tant mieux. Pas la route, ah, je vais essayer de cut ça. Oh, dommage. Ça aurait pu passer. Et je vais essayer de remonter un peu dans la game. Ah, c'est un peu chiant qu'il méprise boot. Du coup, je vais être en retard. Ok, ça va. Dommage. Je pense pas que je la cadrerai, mais au moins je la touchais. Allez, vas-y, va faire la passe. Du coup, je vais cut. Ok, dommage. J'ai mal cut en vrai. J'aurais pu mettre un but là-dessus, je pense. Mais j'ai été plus rapide et c'est plus important. Ici, fake, évidemment. Je m'en doutais qu'il allait venir me bump. J'arrive à défendre celle-là aussi. Ok, ok. Bon, attends, hop, je la retouche. Vas-y, mon frérot. Ah, il l'a. Ah, c'est ok, il cadre pas. Je sais pas s'il peut la revoir, on va faire quand même attention. I frérot, lâche le ballon. Vas-y, j'ai pas de boost. Oh non, il aurait tellement mis à droite, ça aurait été incroyable. Bon, j'avais le reset, mais il a réussi à contrer. Nice. Ok, c'est passé. Il a bien suivi là, il a réussi à bien contrer. C'est un peu une erreur du mec en passe de pas dégager cette balle en vérité. Il est dernier def, tu te dois de dégager cette balle, c'est obligatoire en fait. Sinon bah c'est but, hein. Ça pardonne pas. Ça pardonne pas du tout. Ok, oh dommage. Il aurait pu la mettre. Ok, je vais juste me barrer et je vais shadow celle-là. Et bon, après s'il me la laisse, je la prends. Oh, j'ai cru qu'il allait... j'ai voulu anticiper, my bad. Je vais jouer le contre ici, dernier def, mais la balle, en fait, si je chope le contre, il y a but. C'est ce qui est arrivé tout à l'heure. Bah, deux fois même, pour nous. Attendez. Ah, dommage. Le reset était pas si dégueu, mais c'était un peu dur de recadrer tout ça. J'ai pas de boost, du coup, on va essayer de pré-shoot juste en action. Hop. C'était pas trop dégueu. On a yé la démo, s'il met la pression. Ok, là il a une bonne balle, mais il est bien loin, du coup on va attendre. Ok, c'est un peu raté. On va mettre ça sur le côté tranquillement. Hi. Salut chef. Et dites-moi si vous aussi vous jouez avec de la musique. Moi franchement j'ai trop du mal à jouer sans musique sur Rocket. Non, notre rôle, je l'ai même, ça l'a aidé je crois. Vraiment. C'est vraiment ce qui vient de se passer là. C'est terrible. Vas-y, derrière. Hop. Ok, j'ai essayé de le lober, c'est pas passé. On va juste dévier la balle. Par contre, c'est chiant, c'est qu'il a rebondi au centre. Ah, c'était trop court. J'ai pas de boost aussi, frérot. Ouais, je préfère pas y aller, hein, là. Oh. Oh, let's go. Avec un peu de chance, je me disais, ça va rentrer. En vrai, j'ai eu chaud. En vérité, j'ai eu chaud quand même. Parce que j'ai tapé vraiment avec l'arrière de ma voiture. C'était. Oh, quoi? C'était. Wesh. C'était quoi ce compte de Zinzin qu'il a mis? C'est une folie. Ok, oh. Nouvelle game du coup. Bon, on a quand même réussi à gagner finalement. Mais je pense que c'est la musique qui fait ça. Hein. J'allais dire, mais je sais pas si. En fait, parfois, je finis même pas mes phrases. C'est une dinguerie. Wouah. Genre la musique, moi ça me change totalement quand je joue. Vraiment. Bon, petit squishy qui passe. Je vais juste mettre la pression. Genre si je jouais sans musique, sur Rocket, ça m'ennuie un peu en fait. Je trouve pas ça trop utile le son. C'est bien d'en avoir par contre. Parce que
Quand les mecs sont derrière toi ou quoi, c'est pas mal de les entendre. Mais genre c'est trop calme quand il y a que ça en fait. Genre le bruit est pas assez il prend pas assez de place. Moi j'ai besoin de musique. Ça me permet d'être comment dire, plus apaisé, moins stressé ou je sais quoi, d'être plus dans l'ambiance quoi de... Parce que après ça dépend de la musique que tu mets aussi. Je pense que ça dépend aussi. Ouais, il y a pas mal de gens qui écoutent du rap ou quoi. C'est pas trop mon truc mais je comprends. Il y a des trucs pas mal. Bon, de toute façon j'écoute tous les musiques de Rocket. Ça bon ça change pas. Oh. Dans le mur, ma collègue. Hop. J'ai essayé de bump, dommage. Ok. Mais à base j'écoutais beaucoup de la trap et des trucs comme ça. Et du coup bon, Marshmallow je crois ça en fait un peu. Maintenant j'écoute beaucoup Netflix. Bon après je suis toujours dans enfin, je suis toujours dans le même style un peu de musique mais je bouge beaucoup quoi. Mais dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que le rap c'est pas mon délire. C'est pas que j'aime pas, c'est juste que c'est pas mon délire quoi. Oh dommage. J'ai quand même réussi à le démo le mec. Ah ça j'ai pas trop compris. Moi j'ai réussi à l'éclater mais. Oh dommage, ça tente des trucs, ça tente des trucs. Mon allié vient de commit là, tu vois. Ah. Ok, heureusement qu'il n'y a pas but. Du coup, j'allais dire, faut pas que je me commit. Mais je voyais une opportunité s'il le bump. Mais il a pas réussi à le bump. Voilà, c'est sûr, hein, frérot, t'as laissé la balle là. Ah, c'est dommage. Il est parti chercher du boost. Ouais, j'aurais pu l'avoir, je pense. C'était pas impossible, la situation était assez compliquée. Faut pas se mentir non plus, hein. Bon, y a des choses qui arrivent. Hein. Bon, j'ai encore ma voiture d'Halloween. Hein. C'est la spéciale Halloween, on va dire. Avec les roues un peu. C'est les roues de Battle Bus, on m'avait demandé, je crois. Des stickers, bah, je vais pas trouver mieux. Il est assez classe. Mais je suis pas fan des stickers. Quoi? Bah, y a un but là. Et bah il a réussi à rater ça, c'est fou hein. Bah, chacun leur tour. Hein. Ah mais pourquoi il s'est jeté? C'est chiant genre. Bon j'aurais dû la laisser je pense. Mais c'est chiant genre. Ça se voit que je l'ai non. Et vous savez pourquoi j'ai mal tiré ici? Parce qu'il s'est jeté en fait. Parce que je voulais la tirer avant lui. Parce que je savais que je voulais la voir quoi. Je voulais tirer moi-même. Et du coup je me suis pressé. J'ai fait un tir de merde. Genre j'aurais pu attendre une seconde de plus. Et après lober bien la balle. Mais comme il m'a mis la pression. Bah je me suis dépêché pour rien en fait. Ah je peux pas y aller. Mon allié me gêne encore. C'est un peu embêtant tout ça. Ok il s'est fait dunk. Jusque là, bah rien d'anormal, hein, tes derniers def, tu dégages pas, c'est fini. Hein. Je crois qu'il a essayé un peu, mais... Ouais, faut... Un petit peu naïf quand même sur les bords, mon frérot. C'est un peu le problème que j'avais avant, et un peu bah, le problème de tout le monde hein, en même temps. Quand tu connais pas trop le jeu, et tu comprends pas trop pourquoi tu prends des buts, mais... Il suffit de mettre des règles simples. Quand t'es dernier def, faut dégager, c'est tout. Faut que tu clear. Y a pas d'autre solution. Si le mec se met devant le chemin que tu veux utiliser, bah faut tirer ailleurs. Vraiment, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. C'est aussi simple que ça. Et bon, j'ai essayé de redirect. C'était un peu maladroit, malheureusement. Oh, j'ai le boost. Ok. Oh. Ouais, il l'a. Bon, elle est pas très forte, ça me va. Ah dommage. Bon mon AZ était pas exceptionnel. Mais j'aurais bien voulu rediriger un peu la balle. Mais le problème de balle, enfin de base, c'était quand même ma première touche, elle était pas bonne. Comme j'étais pas aligné, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Est-ce qu'il peut y aller? Ok, il l'a. Ok, encore. Qu'est-ce qu'il fait? Dommage, il l'a gardé un peu trop longtemps, mais... C'est pas très très grave. Pardon? C'est normal qu'il est bête là?
Après, eux, ils sont en 4-0, ils s'en foutent un peu, en vérité. En vérité, ils s'en foutent un peu. Mais quand même, un petit effort. Restez sérieux. Ils anticipent bien, par contre, mes tirs à chaque fois. On a l'impression qu'ils ont l'habitude. Parce que c'est pas des tirs que les C3 font, mais ils arrivent à les arrêter, tu vois. Il faut pas croire, hein, la vitesse d'exécution, C3 ne fait pas ça. C'est juste qu'ils ont, à mon avis, pris l'habitude de croiser des gens qui étaient plus forts qu'eux et ils ont pris à défendre ce genre de choses, j'imagine. Ok, bon, j'ai tenté mon Musty. C'était pour sauver l'honneur, un petit peu. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. Gros GG à tous. Bon, petite session pas fou, pas désastreuse. Bon, c'était cool, on a parlé et tout. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.